Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un enchaînement de récupération rapide. Très intéressant après un entraînement un peu soutenu. Donc, on va commencer par inspirer et souffler simplement. Donc, pieds écart bassin, détendez vos épaules et on commence sur le souffle. Hop. Encore. Et le dernier, on reste là. Sur le souffle, je vais d'un côté. Sur l'inspire, je reviens. Sur le souffle, je vais de l'autre. Et je reviens. On déroule les épaules vers l'arrière et un petit peu vers l'avant. Si ça craque, c'est normal. On va maintenant enrouler et dérouler la colonne vertébrale. Sur le souffle, j'enroule la colonne vertébrale, toujours pied écart bassin. Sur le souffle, j'enroule. Je descends d'abord la tête, je me regarde le nombril. Et j'enroule la colonne vertébrale, je descends. Sur l'inspire, je remonte. On ne peut peut-être pas de suite descendre et toucher ses pieds, mais on va y arriver. Sur le souffle. Et sur l'inspire, je remonte. Je m'en rapproche. Sur le souffle. Et sur l'inspire, vous avez vu, les jambes sont légèrement fléchies. On roule la colonne vertébrale sur le souffle. Et sur l'inspire, tu remontes. Et le dernier, sur le souffle. Et sur l'inspire. Impeccable, ça fait un bien fou à la colonne vertébrale. Je me mets après un petit peu de biais comme ça. Et les pieds sur le tapis. Sur le souffle, j'enroule et je vais faire ce que l'on appelle un chapeau pointu. C'est-à-dire que je vais avoir les fesses vers le ciel. Les bras, les mains au sol et les pieds au sol. Regardez, sur le souffle, j'enroule. Les mains marchent au sol, je reste là ici. Je pousse le sommet du crâne entre mes mains et je pose tantôt le talon droit, tantôt le talon gauche, talon droit, talon gauche. 4, 3, 2, 1. Je reviens. Les mains marchent vers les pieds sur des jambes légèrement fléchies. Je réempile la colonne vertébrale comme on vient de le faire avant et je suis de retour. On va le faire 3-4 fois. Vous avez vu, chapeau pointu, c'est parti. Sur le souffle, sur l'inspire, je marche, je glisse. Je ne vais pas trop loin. Je repousse mon poids de corps vers l'arrière et je pose talon droit, talon gauche. Décrispez les trapèzes, les épaules et les cervicales. 4, 3, 2. Et 1. J'essaye de poser les deux talons. 4. Je reviens sur la pointe de pied. 3. 2. Et 1. Impeccable. Je pose les talons. Les doigts en pompe. Je reviens vers les pieds. Je réempile les vertèbres les unes après les autres. Et je suis de retour. On le fait encore 2 fois d'affilée, s'il vous plaît. Sur le souffle. Je mène un glisse, je reste là, chapeau pointu, souffle. Repoussez bien votre poids de corps vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Je pose pointe de pied et les deux talons. Pousse ton poids de corps vers l'arrière. Pointe de pied, pousse. Encore, pointe, pousse. Je reste là, les doigts en pompe, je marche. Les jambes légèrement fléchies. Je réempile les vertèbres les unes après les autres. Et je suis de retour. Allez, courage, dernière fois. Pieds écart bassin. Sur le souffle, j'enroule. Je glisse. Je reste là. Je repars un petit peu en arrière. Et je reste talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. Veillez à garder les jambes bien tendues. 4, 3, 2, et 1. Sur la pointe des pieds et les deux talons. Pousse ton poids de corps vers l'arrière. Pointe, pousse. Et le dernier, pointe et pousse. Je vais revenir ici. Pieds écart bassin. Je réempile les vertèbres. Impeccable. Inspirez. Grandissez. Et revenez. Épaules vers l'arrière. Petit cercle vers l'avant. Gainage maintenant, et la première fois, on va essayer de tenir. Les mains vont avancer après avoir enroulé la colonne vertébrale. Je vais rester 1 fois 10, 2 fois 10 et 3 fois 10, 3 fois d'affilée. Souffle.
Glisse au sol et reste en gainage. Je regarde bien le sol devant entre mes mains. Je serre bien les fesses. Le ventre est aspiré. Et je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je plie les jambes. Les mains marchent vers les pieds. Je réempile et je suis de retour. Je reviens encore une fois, 2 fois 10 cette fois-ci, sur le souffle. Je marche, je glisse au sol, 2 fois, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, deuxième, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chapeau pointu. Les mains marchent vers les pieds, les doigts, et je réempile les vertèbres les unes après les autres. Et la dernière fois, 3 fois 10. Allez, courage, c'est presque fini. Sur le souffle. Sur l'inspire, on se place, et je reste 3 fois 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, deuxième, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernier, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Je pose les genoux au sol et je fais un coquillage ou position de l'enfant. Je ne pose pas le front au sol, je pousse le sommet du crâne entre mes mains qui sont largeur de mon tapis. Sur le souffle, je descends. Aspirez le ventre. Plaquez bien le ventre contre vos cuisses. Je souffle une fois, deux fois. Trois fois. Chaque fois, les doigts grappillent des millimètres vers l'avant sans que je monte les épaules aux oreilles. Je ramène un coude après l'autre. Je me regarde le nombril et je réempile les vertèbres les unes après les autres. On continue et cette fois-ci, on va faire des pompes. Des pompes avec du gainage ventral. Vous allez voir. Les pompes, je me place avec les mains au sol, vous avez vu, j'ai les genoux au sol, on pourra voir les pointes de pied crochetées au sol. Moi, je vous propose comme ça aujourd'hui, écoutez bien, il y en a 10. Sur le souffle, je descends, sur l'inspire, je remonte. Le nez vient effleurer le sol et je remonte. Sur le souffle, je descends, sur l'inspire, je remonte. Ça fait déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magnifique. Dans la foulée, je me mets à plat ventre. Les deux mains l'une sur l'autre. Le front posé dessus, les épaules bien basses et le cou bien long. Je vais soulever au ras du sol, le haut du buste et le bas. Sur le souffle, je reste en haut, je bloque la respiration et je reste 10 temps. C'est parti. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. On repousse en poids de corps, on est de retour en coquillage. Je ramène les coudes de chaque côté, je réempile les vertèbres. Deuxième round pour les pompes. C'est parti. Sur les genoux ou sur les pointes de pied, à vous de voir. On est parti. Sur le souffle, je descends, sur l'inspire, je remonte. Allez, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens à plat ventre, les deux mains l'une sur l'autre, épaules bien basses, cou bien long et je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose, coquillage, je reviens. Je ramène les coudes de chaque côté des genoux, je réempile les vertèbres et je suis de retour. Allez, dernier round pour les pompes et le gainage ventral. C'est parti, on y va. Les pompes, on est là ici. Sur le souffle, je descends. 10, 9, 8, 7. 6, 5,
4, 3, 2 et 1. Magnifique, on redescend à plat ventre. Les deux mains l'une sur l'autre, le front posé dessus. Je soulève le bas et haut du buste et je reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je relâche. Les mains de chaque côté de mes épaules, je repousse mon poids de corps et je suis de retour. Voilà, donc maintenant ici, on va se mettre sur les genoux. Je vais tendre une jambe devant et sur le souffle, je descends. Sur l'inspire, je reviens. Sur le souffle, je descends. Sur l'inspire, je reviens. Et le dernier, sur le souffle, je descends. Je pose le bout des doigts, je plie la jambe et me voici en chevalier servant. Vous avez vu ici, je m'auto-grandis. Je pose le coude sur le genou. Très bien. Je vais poser la main gauche au sol, largeur de ma carrure d'épaule, dans le prolongement de mon pied ici. Je crochète les orteils du pied derrière, je lève le genou, j'ai la jambe tendue et je tends le bras vers le ciel. Je le regarde et je reste là, cage thoracique bien ouvert vers l'avant. 4, 3, 2, 1, je reviens. Je pose les mains, les doigts au sol, de chaque côté du pied. Petit rebond, très léger, discret, du bassin vers le sol. Je pose le genou et je suis de retour sur une jambe tendue. Talon planté, pointe de pied. Sur le souffle, je descends. Sur l'inspire, je reviens. Sur le souffle, sur l'inspire, je descends. De ce côté-là, en ce moment, j'ai un petit souci de nerf sciatique, donc c'est un peu raide. On fait bien sûr l'autre côté. Je plante l'autre talon dans le sol et sur le souffle, je descends. Vous voyez, comme j'ai beaucoup plus d'aisance de ce côté-là, c'est normal. C'est pas grave. Ostéopathe d'urgence avant la fin de la semaine. Et sur l'inspire, je reviens. Et le dernier. Vous avez vu, je pose le bout des doigts au sol. Je tire la pointe de pied et je dirige mon buste vers la cuisse. Chevalier servant, je pose le pied à plat et je descends le bassin vers le sol. Ça fait un bien fou. Et je reste quelques secondes comme ça. 4, 3, 2, 1. Je pose donc la main au sol. Largeur de ma carrure d'épaule, vous vous rappelez? Les orteils du pied derrière crochetés. Je lève le genou et j'essaye vraiment de tendre la jambe derrière. L'autre bras. Je tends la main vers le ciel et je regarde mon bras tendu. Là, ici, il faut que je sois alignée. Poignet, coude, épaule, l'autre épaule au-dessus et le bras vers le ciel, vers le plafond. Et je reste 4, 3, 2, 1. Je pose les doigts de chaque côté du pied, les doigts en pompe. Petit rebond léger, discret. Auto-grandissez-vous. Votre haut du buste n'est pas effondré, il est repoussé. Auto-grandi. Petit rebond. 4, 3, 2 et 1. Magnifique. Je pose le genou. Je me redresse. Je plante le talon et sur le souffle, je descends. Sur l'inspire, je reviens. Pensez à votre ventre. Aspirez-le. Sur le souffle. Et sur l'inspire, je reviens. Et le dernier, sur le souffle. Et sur l'inspire, je reviens. Je me replace sur les deux genoux pour faire un coquillage à nouveau. Je ramène toujours un coude après l'autre. Je me regarde le nombril et je réempile les vertèbres les unes après les autres. Et bien justement, je vous parlais du nerf sciatique. Voici un exercice excellent pour étirer le nerf sciatique et pour éviter d'avoir des trop gros soucis. Je vais venir placer le genou gauche au sol. Vous avez vu, ma demi-jambe est repliée vers mon buste, vers mon bassin. Sur ce genou gauche, je vais placer mes deux coudes de chaque côté. Et je tends la jambe derrière et je reste là ici. Essayez de vous placer au centre de votre tapis ici, genou au centre du tapis. Une fois que j'ai bien aplati mon buste contre ce genou gauche, je tends les deux bras à la largeur de mon tapis, voire un peu plus, et je descends. Je souffle une fois, deux fois et trois fois. Très bien. Je reviens, j'attrape le pied qui est derrière et je le croise par-dessus le genou
Et je reste là ici quelques secondes. J'essaye de replacer mes deux fesses au sol. J'attrape ce genou, je m'auto-grandis, les deux épaules à la même hauteur. Je m'auto-grandis et je reste là. 4, 3, 2 et 1. Impeccable. De suite, l'autre côté. Donc, voici l'autre genou au centre de mon tapis. Je vais envoyer la jambe derrière et je place les deux coudes de chaque côté de ce genou. Je plaque mon buste contre cette cuisse. Inspirez, soufflez deux, trois fois avant de tendre les bras. Deuxième fois. À chaque fois, je m'aplatis un peu plus vers ce genou. Et bien sûr, les deux bras tendus. Je descends. Le visage regarde mon tapis droit devant. Je souffle une fois. Deux fois. Trois fois. Ça fait vraiment un bien fou. Je reviens et j'accompagne. Le pied qui était derrière, je le croise par-dessus mon genou ici. Si vous avez du mal à le croiser par-dessus le genou, vous pouvez très bien le laisser à côté. D'accord? C'est à vous de voir. Donc là ici, j'essaye de replacer mes deux fesses bien à plat au sol. Je m'auto-grandis les deux épaules à la même hauteur. Je regarde loin devant. Impeccable. Je reviens. Et là ici, avant de continuer, les deux pieds l'un contre l'autre, je ramène les deux talons au maximum vers mon bassin. Et là ici, vous avez vu, les coudes sont en appui sur les genoux. Et je vais aller de droite à gauche. Voilà. Magnifique. Je vais venir m'allonger sur mon tapis ici comme ça. Je vais faire des enroulés de colonne vertébrale. Très bon pour assouplir la colonne vertébrale par contre. Ça fait excessivement travailler les abdos. Sur le souffle, je descends, vertèbre par vertèbre. Pardon, sur l'inspire, je descends et sur le souffle, je remonte. Des fois, ça ne va pas très bien, des fois, on dirait. Sur l'inspire, j'allonge. Et sur le souffle, je remonte. Excellent, donc inspire, prends de l'air dans les poumons et... Inspire. Si c'est trop facile, vous soulevez une jambe. Elle ne doit pas trop bouger. Et sur le souffle, je remonte. Je change de jambe, bien sûr. Inspire. Et souffle, remonte. Et pourquoi pas les deux jambes. Et inspire. Souffle. Magnifique. On étire maintenant cette partie-là, ici. Pointe de pied pointée sur le souffle et sur l'inspire, je reviens. Sur le souffle et sur l'inspire, je reviens. N'oubliez pas, poussez cette partie-là vers l'arrière, vous avez vu. Et je fais un dos rond, mes deux bras sont parallèles à mes jambes et la tête regarde ici. Hop. Et je reviens. Et le dernier sur le souffle. J'ouvre les pieds un peu plus et là ici, on va, à tour de rôle, attraper la pointe de pied droite ou la pointe de pied gauche. Et je tends un bras vers le ciel et là ici, sur le souffle, je descends. La main passe, le bras passe par-dessus ma tête pour venir toucher ma main qui touche le pied. Et j'alterne. Allez, 8, 7, 6, essayez de garder les deux fesses au sol, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens ici, je resserre les pieds à nouveau et je roule à nouveau d'une fesse à l'autre. Essayez de vous auto-grandir, essayez de penser à être bien placé dans votre dos et vos épaules. Voilà. Parfait. Je le refais une deuxième fois. Les jambes peut-être un peu plus écartées que la première fois, vous vous rappelez? Souffle, inspire, replace, souffle, inspire, replace, encore, dernier de chaque, et de l'autre côté. On revient, je ramène mes deux pieds
l'un contre l'autre, un peu plus près du bassin si c'est possible. Autograndissez-vous. Je vais pousser mon poids de corps vers l'arrière cette fois-ci et descendre un menton poitrine. En fait, il y a très peu d'exercices pour étirer cette partie-là, les trapèzes et les cervicales, n'hésitez pas. Vous avez vu, là je suis droite. Là je pousse mon poids de corps vers l'arrière, mes pieds poussent vers l'avant pour pas que je tombe en arrière. Et j'attrape simplement les chevilles et je descends menton poitrine. Et le dernier ici, alors les pieds encore un peu plus écartés que tout à l'heure, si c'est possible, d'accord? Je m'autograndis, et là ici, c'est parfait. Je force ma respiration pour que vous entendiez, sur le souffle je descends, sur l'inspire je reviens, sur le souffle et sur l'inspire, dernier de chaque, souffle, inspire et de l'autre côté, souffle et inspire. Je ramène dernière fois les deux pieds l'un contre l'autre, vraiment le plus près possible de votre bassin. N'oubliez pas de vous autograndir et d'aspirer le ventre. Je roule d'une face à l'autre, je pousse le genou au sol, tantôt le droit, tantôt le gauche. Je me redresse, je pousse mon poids de corps vers l'arrière et je descends menton poitrine. Je regarde que mon ventre soit bien en place. Et je descends bien menton poitrine, le poids du corps bien vers l'arrière. Vous avez vu, mes deux bras sont tendus. Impeccable. Et le dernier, ça sera récupération au sol avec les deux mains sur le ventre. Vous devez penser à inspirer et à souffler profondément. Et voyez ce qui se passe dans votre ventre. Je descends donc vertèbre par vertèbre. Je ne vais pas garder les jambes tendues. Je vais placer les pieds ici à plat au sol, les genoux vers le plafond. Les deux mains sur le ventre, épaules bien basses et cou bien long, le menton vers la poitrine, les cervicales plaquées au sol. Et ici, j'inspire. Gonflez le ventre et sur le souffle, creusez le ventre. Respiration ventrale sur l'inspire, je gonfle le ventre et sur le souffle, creusez le ventre. Sur l'inspire et sur le souffle. Une dernière fois, sur l'inspire, gonflez le ventre et sur le souffle, creusez le ventre. J'attrape un genou après l'autre, je monte front genou, je roule 2, 3, 4 fois, ne soyez pas pressé de vous redresser, regardez toujours devant, regardez toujours vos genoux, inspirez derrière, essoufflez devant, et le dernier, inspirez, essoufflez. Il est très important de savoir rouler sur un dos rond et pas sur un dos qui va claquer. Eh bien écoutez, voilà, c'était un enchaînement pour de la récupération rapide suite à un entraînement, une course à pied, un entraînement un petit peu tonique. Voilà, j'espère que vous vous régalerez. Désolée si des fois je bafouille un peu, mais en tous les cas, je le fais toujours de bon cœur et à très vite de vous retrouver. Merci à vous.
Ça me permet. Sinon, j'ai tout pour des nerfs. Toute seule dans mon coin. Ça a l'air d'être enregistré, ça continue.